Archibald ne s'arrête jamais de penser. Il a tellement d'idées dans la tête qu'elle est devenue énorme. Elle est si grosse qu'elle ne passe plus la porte. Alors il est coincé chez lui. Et il s'ennuie à longueur de journée. Heureusement, il y a Léon. Il vient rendre visite à Archibald tous les jours. Mais il ne reste jamais très longtemps. Le meilleur ami d'Archibald, Stanley, habite de l'autre côté de la Terre. Avant, Archibald allait parfois lui dire bonjour. Mais maintenant, c'est plus possible. Quand il a faim, Archibald téléphone à Pizza Express. Comme il ne sort plus de chez lui, les gens ont oublié qu'il existait. Parfois, Archibald ne supporte plus d'être enfermé. Alors, il se met en colère. Archibald se creuse la tête, puis il décide d'appeler une grue pour casser sa maison. La maison tremble, 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 mais ne s'écroule pas. Archibald a une solution. Il raconte toutes ses idées dans le tube pour qu'elles s'envolent un peu partout. Et le voilà enfin libre. Puis il prend le bateau pour aller chez Stanley. Et il bouffe toutes les crêpes. Mais quand il rentre chez lui, Archibald a un nouveau souci. Il est devenu tellement gros qu'il ne peut plus rentrer dans sa maison.